Non, faites-moi un petit clap. Sinon, j'ai eu mon petit clap, je suis ravie. Ah ouais. Non, non, mais il y a des choses dont on rêve. Voilà, avoir son propre petit clap. Bonjour, je suis Marilyn Fitoussi, je suis créatrice de costumes et je vais vous raconter comment j'ai eu la chance de créer les costumes de Bardot. Effectivement, à part Bardot, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Emily in Paris. J'ai travaillé avant sur une série années 60 qui s'appelait Le Spy avec Sacha Baron Cohen. J'ai fait le film Kaamelott. J'aime faire les grands écarts. J'aime prendre des projets qui sont complètement opposés. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut être très à l'aise autant en époque qu'en contemporain. Elle a changé ma vie. Elle me le reprochera un jour. Mais c'est un reproche. Raoul pense que je lui appartiens, n'est-ce pas Raoul ? Absolument. J'ai commencé ce métier il y a déjà 32 ans. Ma mère était couturière et j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui ne jetait rien et qui avait dans son grenier qui avait des vêtements des années 50, 60. Quand j'étais vraiment une petite fille, entre 8 et 10 ans, je passais mes journées à me déguiser. Très vite, j'ai eu cet instinct qu'on pouvait raconter des histoires avec des vêtements. La veille du Nouvel An, il y avait à la télévision française un spectacle, c'était soit le Lido, soit le Moulin Rouge, je me souviens pas, où effectivement c'était des spectacles avec ces jeunes femmes magnifiques. Et moi, dans ma petite ville de province, je me disais, il y a un monde quelque part qui est féerique et je veux faire partie de ce monde. Et j'ai postulé pour un poste dans une maison de location de costumes à Paris, et là, j'ai retrouvé effectivement la fantaisie, la folie de ce que j'avais toujours, des sensations que j'avais eues et chez ma grand-mère et en regardant ces spectacles. J'ai eu la chance d'apprendre des époques, de vivre et de travailler dans un musée. En ce qui concerne Bardot, on s'est quand même laissé tout un champ de possibles. Plutôt qu'un biopic, moi je dirais que c'est une version plus intimiste, plus romanesque. On a imaginé ce qui se passait derrière la porte. Il y a des moments clés où on devait, dans tout ce qui est matching avec des morceaux de films d'époque, où là c'était effectivement très important de coller à l'époque. Mais après, on avait envie de montrer cette Bardot dans sa simplicité, dans sa complexe simplicité, j'ai envie de dire. Tout le monde a une image de Bardot. Certains ont l'image de Bardot Gainsbourg avec les cuissardes et Dieu créa la femme, de Bardot avec les bébés phoques, Bardot dans le mépris. Moi, j'ai été très surprise, justement, en cherchant faisant toute cette recherche sur Bardot, par la simplicité de cette femme. Elle disait toujours « je suis quelqu'un de très normal et c'est pour ça que les femmes s'identifient avec moi ». J'ai été très surprise et même après de retrouver un gilet, une paire de boucles d'oreilles, une médaille, une jupe qu'elle a portée pendant des années et des années. Je pense que Bardot a été la première personne qui a fait ce qu'on peut appeler du recycling. Oui, il y avait cette image d'icône, mais il y avait cette femme qui était aussi très consciente de la valeur des choses, de la valeur de l'argent, qui avait cette beauté absolument fascinante, hors norme, qui fait d'elle une déesse ou un démon. Mais il y avait quelqu'un qui était vraiment dans une vérité, une justesse, qui ne cherchait pas à composer un personnage. Et je pense que c'est aussi ce qui a dérouté extrêmement les gens. Je suis arrivée à être Brigitte Bardot. Je ne pensais pas y arriver du tout quand j'ai commencé. Et qui n'était pas dans une représentation, très bizarrement, alors qu'on a voulu un peu la crucifier aussi pour ça. Comment on prépare un projet d'époque? Là, sur Bardot, en l'occurrence, on a la chance que Bardot ait été la personne et la femme la plus photographiée au monde. Donc, effectivement, toute l'iconographie est assez spectaculaire et très diverse. J'ai réussi à retrouver des photos de Bardot avec ses lunettes et son appareil dentaire quand elle avait 7 ans, ce qui était quand même, a été une base et une source de réflexion très enrichissante. Après, effectivement, on vérifie aussi tout ce qu'on trouve. C'est un travail aussi de recherche et c'est l'étape de préparation et de recherche de toute l'iconographie. Je crois que c'est
une des phases que je préfère avec les essayages. On apprend à connaître d'une façon plus intime le personnage, qu'on s'imprègne aussi d'une époque. J'avais quand même un œil et une connaissance de l'époque. Je suis moi-même née aussi dans les années 60. Voilà, à l'époque, une femme était gontée, était chapeautée, avait un sac à main. On n'avait pas encore les vêtements confortables qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, il y a d'autres notions. Et ensuite, on a la chance de pouvoir aller aussi chez des loueurs de costumes et qui ont des stocks authentiques, comme le loueur chez qui nous sommes actuellement. Il y avait une créativité que je ne soupçonnais pas. C'était beaucoup plus, ils allaient beaucoup plus loin au niveau graphique et au niveau coloré de ce que j'avais pressenti. Je crois que j'ai dû faire un dossier de 800 pages, parce que effectivement il y a Bardot dans son intimité avec chaque amant, chaque homme qui a traversé sa vie. Il y avait la famille de Bardot, il y avait les parents de Bardot. Il fallait rechercher aussi des moments intimes de la vie de Samy Frey, de la vie de Sacha Distel, pour aussi pouvoir couvrir un peu toutes les situations, les concerts, les retours, l'armée, etc. Oh. Ah ! Ça a été à peu près un mois de recherche, donc on essaie vraiment de se remettre dans le contexte de l'époque, dans le rôle de la femme aussi dans les années 60. Et ça, c'est des moments assez privilégiés, et c'est là où vraiment il y a tout cet esprit d'équipe et où on aime faire ces projets, parce que voilà, j'ai vu des photos de Bardot qui ne sont sorties nulle part. Donc tout ça, c'était un échange, c'est comment reconstituer, faire revivre une époque et voir comment la morphologie a aussi énormément évolué depuis les années 60. La normalité des standards des femmes années 60, c'était entre 1m50, 55, 1m60. Elles faisaient du 34 pour la plupart, elles chaussaient du 37. Donc effectivement, les morphologies actuelles sont beaucoup plus grandes. Les gens ne se rendent pas compte effectivement de ce qu'est un stock de loueurs, puisqu'on a assez peu l'occasion d'aller dans ces grands entrepôts où il y a absolument tout, de la chaussette. Et là, on a des plans sur les chaussettes de Bardot qui sont effectivement des chaussettes d'époque. Retrouver la chaussure d'époque qui soit le plus approchante de ce qu'elle pouvait retrouver. Et c'est Bardot deuxième. Bardot a été sa propre attachée de presse, sa propre styliste, et elle a eu très jeune un sens inné de la façon dont flatter et embellir sa silhouette. Effectivement, elle était danseuse classique, elle avait ce port de tête incroyable, elle avait ce tour de ceinture extrêmement petit, très féminin, très flatteur, même si elle était de cette famille bourgeoise, catholique, stricte du 16e arrondissement, elle a toujours eu cette espèce de grâce animale. Et à 15 ans, il y a des photos d'elle spectaculaires où effectivement elle arrive à détourner le juste corps qu'elle portait avec une jupe à carreaux en ceinturant. Elle a eu ce sens inné de mettre sa silhouette en valeur, et je pense que tout ça n'était pas du tout calculé. C'est comment transformer une jupe écossaise qui va devenir iconique et qui va devenir une de ses signatures, une des signatures de Bardot dans les années 60. Alors, il y a un jean qu'on a fait refaire sur la série. Je ne sais pas d'où vient ce jean, je ne sais pas s'il a été fait pour elle. Je veux dire, c'est la coupe la plus spectaculaire de jean que j'ai pu voir, qui est très flatteuse, avec une taille très très haute. Ça marque la taille, ça galbe les fesses de façon très jolie. Ce jean a été une des pièces maîtresses de la garde-robe que je tenais absolument à faire refaire. Vous l'avez reconnu ? C'est bien lui ? C'est Gilbert Bécaud ? Viens ! Les contraintes sur ce genre de projet, c'est souvent de ne pas avoir assez le temps d'expliquer à des jeunes comédiens. On avait tout un panel de très jeunes et magnifiques comédiens, de pouvoir leur apprendre ce qu'est l'époque. Donc j'avais fait quand même des petits dossiers avec la silhouette d'époque, parce que une jeune femme comme Julia, habituée à être avec des jeans, des baskets, des vêtements confortables, un peu oversize, de devoir se fondre dans une silhouette époque qui
est contrainte, du soutien-gorge qui n'est pas extensible, du sertail, des bas, du porte-jartel, le lycra n'existe pas. Mettre des escarpins, pouvoir mettre sa main dans un seganté, mettre un chapeau, tout ça, effectivement, ce sont des contraintes, mais qui donnent le ton de l'époque. Certains garçons n'avaient jamais mis de costume de leur vie, donc et ils se sont tous trouvés magnifiques. Avoir un pantalon taille haute alors qu'on est habitué à son jean, mettre une chemise avec une cravate alors qu'on est habitué à avoir un sweat à capuche, c'est ce qui fait que leur personnage devient crédible et leur démarche change aussi. Ils ont tous eu envie de porter des costumes après, de garder leurs costumes parce que ça met aussi en valeur la silhouette. Ils ont redécouvert aussi des proportions, une mode qui était aussi très masculine, qui était aussi très flatteuse pour un homme. Les contraintes deviennent des atouts. Sur le bardo, je voulais fabriquer le moins de pièces possible parce que j'aime beaucoup travailler avec des vêtements authentiques et originaux. Je trouve toujours ça plus parlant et ça me provoque beaucoup plus d'émotions que la fabrication. Arrête, j'ai trop de... En l'occurrence, là, j'avais certaines pièces incontournables à faire fabriquer. Bon, les deux robes de mariée iconiques de Bardot. Et j'ai été très surprise, effectivement. Ce mariage avait été un peu improvisé avec Charrier. Cette robe a été énormément photographiée. La petite robe en Vichy rose est devenue iconique. Et donc, comprendre aussi un petit peu les proportions. C'est vrai qu'on voit sur la robe que les poches sont très basses. On a beaucoup travaillé avec l'atelier sur la hauteur des poches parce qu'en fait, on s'est dit qu'elle devait pouvoir, dans une espèce de simplicité ou d'allure très informelle, les poches arrivent, on a les bras quasi étendus, ce qui n'était pas le standard des poches sur des robes et des jupes d'époque, puisqu'on a vraiment mesuré toutes les hauteurs. On a réussi à trouver quelqu'un qui nous a refait le tissu avec le carreau à la dimension d'époque, parce qu'effectivement, du Vichy, il y en a beaucoup et il y en a partout. Ça a été tout un travail de réussir à retrouver qui pouvait nous faire ce tissu, et ça a été fait par une maison lyonnaise. Retrouver aussi la guipure et la petite bordure en dentelle anglaise. Alors, la robe décolletée, cette robe a été, au début, avait été prévue pour la scène finale, pour le suicide de Bardot à la Madrague, le jour de son anniversaire, ses 25 ans. En fait, c'était un tissu, une broderie anglaise que j'aimais beaucoup, et on a trouvé un fond, on a mis dessous un fond de couleur. En parlant avec notre magnifique chef-op Michel Amathieu, qui est quelqu'un qui aime beaucoup les costumes, qui sait les éclairer, qui est très sensible aux textures, qui a regardé absolument tous les essayages. Et après réflexion avec lui, on s'est dit non, une robe noire en marchant dans la nuit vers le lieu où elle allait mettre fin à ses jours, c'était peut-être pas la couleur adéquate. Et c'est dans cette robe qu'elle séduit, si elle avait besoin de le séduire, notre Sacha Distel national. Faut pas être timide comme ça. C'est important, les journalistes. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas timide. La robe de grossesse a été aussi faite pour la série. C'est extrêmement difficile de trouver des vêtements authentiques de grossesse. Et nous avions choisi avec Daniel la couleur sombre et foncée parce que effectivement il y avait cette espèce de répulsion, de mal-être chez Bardot devant sa maternité. C'était un véritable mal-être et comme un peu une fatalité pour elle. Ça a été, je pense, la première femme à pouvoir parler. On a très peu joué sur les vêtements ou sur la joliesse d'un vêtement de maternité parce qu'on se dit qu'elle n'allait pas être polarisée par ça. Il y a juste deux photos que je suis arrivée à retrouver de Bardot enceinte où elle devait assister à deux galas, donc c'était vraiment des robes de soirée. Après, aucune de photos de Bardot ou une ou deux enceintes avec des cotonnades ou une chemise
chemise d'homme. On n'a pas voulu jouer sur le côté extrême maternité où tout est la chambre de bébé est préparée et tous les petits vêtements sont choisis. Et une couleur sombre parce que effectivement c'était une période de sa vie où elle a été le plus traquée. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Les photographes, les paparazzi voulaient avoir des photos de Bardot enceinte. Donc c'était une période très noire et très sombre de sa vie où une femme enceinte est déjà émotionnellement très perturbée. Et là, elle a vraiment été mise à rude épreuve. Pour Claude, excusez-moi, tout à l'heure, je ne l'ai pas reconnue. Hein. Mais c'est pas grave. Ouais. Eh bien, merci à vous, Vanity Fair, pour ce moment que j'ai eu plaisir à partager avec vous. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur mon métier de costumière.